à chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en live aussi. C'est tellement bon de se retrouver ce matin pour pouvoir l'adorer et le lever ensemble. Et Église, ce matin, j'ai une question à te poser, une simple question. Est-ce que tu sais que tu es aimé de Dieu? Et est-ce que tu sais que tu es son enfant? J'aimerais juste prendre deux versets avant qu'on continue et qu'on l'adore. Un verset qui se trouve dans Jean 1,12 qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, tous ceux qui ont accepté la parole, tous ceux qui ont accepté Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. » Et j'aimerais prendre un autre verset dans Éphésiens 3,12 qui dit « C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Église, alors que cette nouvelle journée débute, on a la grâce de pouvoir se retrouver ce matin pour pouvoir l'élever. Et on peut s'approcher de Dieu avec assurance par la foi en Jésus. Et ça, c'est un privilège et un cadeau. Et j'aimerais juste te rappeler ce matin que tu es son enfant, que tu es aimé, qu'il t'a choisi. Amen. Alors, je vous invite à vous lever ce matin. On va l'adorer, on va prendre ce chant qui dit « Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. » Amen, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Que le roi des cieux m'ouvre ses bras. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant. À la croix, grâce à son nom. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a Dans sa maison,
Thank you.
Thank you.
magnifique, c'est magnifique. Vaincu la mort, vaincu le péché, vaincu la honte, vaincu le désespoir, vaincu la détresse, vaincu la dépression, tu es notre victoire. Aucune arme forgée contre nous ne pourra tenir. Sois célébré, Jésus, sois exalté, roi des rois. C'est ton nom que nous élevons dans ce lieu, c'est ta victoire que nous célébrons, Seigneur, ce matin. Sois béni, sois exalté, roi des rois. Acclame une dernière fois ton roi, l'Église, ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus, je vous en prie, vous prenez place. Bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. Soyez tous les bienvenus. Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin ? Alors si vous êtes heureux d'être là ce matin, dites-le bien fort pour que ceux qui ne sont pas là puissent venir la prochaine fois. Est-ce que vous êtes heureux ? Gloire à Dieu. Alors il semblerait que les jauges vont augmenter. Donc si les jauges augmentent, ça veut dire qu'on peut accueillir plus de monde. Amen. Alors aujourd'hui on ne va pas poursuivre dans la série Chute, on va reprendre la semaine prochaine, mais ce matin eh bien, on va voir un message différent. On termine aujourd'hui notre jeûne, donc on a eu ces 3 semaines de jeûne, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis en pleine forme et plus que jamais enthousiasme pour ce qui va prendre place, pour ce que Dieu va faire, parce que lorsque nous nous tenons devant lui, lorsque nous cherchons sa face, lorsque nous cherchons son cœur, Dieu se révèle et Dieu agit. Amen. Et nous voulons prendre ce temps chaque année en début d'année pour être à l'écoute de Dieu, à l'écoute du cœur de Dieu,
Et aujourd'hui, eh bien, c'est un jour un peu particulier. J'avais eu vraiment à cœur de terminer ce temps de jeûne en parlant de la vision. Et j'aimerais apporter un message ce matin qui est en rapport avec la vision. Vous parlez d'un homme qui avait une vision, qui vivait en fait avec une vision. Il était alimenté, son carburant, c'était de vivre pour la vision. Et ce matin, eh bien, si nous pouvons sortir de là avec ce carburant dans notre cœur, dans notre vie, ce feu pour accomplir ce que Dieu veut que l'on accomplisse, eh bien, je crois qu'on aura touché quelque chose d'important ce matin. Et donc, en tant qu'Église, on doit se rappeler de ce qui est important pour nous. On doit se rappeler de pourquoi est-ce qu'on est là, de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Jésus nous a donné une mission à accomplir. On n'est pas là juste pour venir chauffer les bancs, les chaises le dimanche matin, mais on a une mission à accomplir. Et l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 26, Paul va dire « Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pas pour battre l'air. » Ici, l'apôtre Paul nous parle de la course dans laquelle il est engagé. Il parle d'une course, il parle de la boxe. Et il va dire qu'il court, mais non pas à l'aventure. Il boxe, mais non pas en donnant des coups de poing dans l'air. L'apôtre Paul nous montre ici que sa vie était orientée, qu'il allait dans une direction. Il ne vivait pas au petit bonheur la chance en attendant qu'une prochaine opportunité se présente. Il savait où il allait, il savait ce qu'il devait faire. Il savait qu'il avait reçu une mission de la part de Jésus et il n'était pas là en train d'attendre que Jésus revienne un jour ou que lui aille vers Jésus en attendant avec impatience que ce jour arrive. Bien sûr, il attendait avec ce jour avec impatience. Il nous le dit, il va dire « J'aimerais tellement être avec le Seigneur. » Mais il parle aussi de la mission qu'il a sur cette terre. Il va dire, aux chrétiens à qui il écrivait, à qui dans les églises qu'il visitait, les lieux qu'il parcourait, il va dire « J'ai envie de retourner avec le Seigneur, mais il faut que je demeure avec vous pour accomplir ce que je dois accomplir. » Et nous devons, comme Paul, eh bien, savoir quelle est notre course, quel est notre champ de mission, qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce qu'il attend de nous. Paul vivait avec une direction pour sa vie. Il avait un objectif. Et il prend l'image ici du sport pour illustrer la motivation qui est la sienne. S'il y a bien quelque chose s'il y a bien quelqu'un qui doit avoir de la motivation, c'est un sportif. Le sportif doit être motivé pour le sport qu'il fait. Si tu fais du sport comme moi pour t'entretenir ou un sportif du dimanche comme moi, ben là, il n'y a pas forcément de motivation sinon celle de t'entretenir. Et c'est bon de faire du sport pour s'entretenir. Mais si tu veux courir pour remporter une course, il faut de la motivation. Il faut se motiver. Et les images ici que l'apôtre Paul prend, eh bien, c'est l'image de la course à pied, l'image de la boxe. Il vivait sa vie avec un but. Il savait pourquoi il vivait. Et nous devons aussi savoir pourquoi nous vivons, pourquoi est-ce que nous sommes là. Et le message d'aujourd'hui, eh bien, c'est pour nous rappeler ce que nous sommes en tant qu'Église. Pourquoi est-ce que nous sommes cette famille spirituelle que nous sommes? Pourquoi est-ce que nous sommes là? Nous n'irons nulle part si nous ne savons pas où nous devons aller. Nous avons besoin de savoir où est-ce que nous allons. Besoin de savoir dans quelle direction Dieu veut nous voir avancer. Nos circonstances ont beaucoup changé ces dernières années. L'année dernière, par rapport aux années précédentes, nos circonstances ont changé. Mais les circonstances ne changent pas Dieu. Les circonstances ne changent pas le but de Dieu. Les circonstances ne changent pas l'appel de Dieu. Les circonstances ne changent pas l'attente de Jésus par rapport à nous. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il court, mais qu'il ne court pas comme à l'aventure. Il parle dans le contexte de l'annonce de l'Évangile. Lorsqu'il dit cela, il parle du fait qu'il va dire d'ailleurs « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Et donc, il nous montre que l'objectif de sa vie, le but de sa vie, depuis qu'il a donné sa vie à Jésus, depuis qu'il s'est converti sur le chemin de Damas, l'objectif qu'il poursuivait, c'était
d'annoncer l'évangile. C'était sa mission, ce qu'il avait reçu de la part de Dieu. Et il le dit dans ce passage. « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Il n'y avait pas de place pour l'incertitude dans sa vie. Il n'y avait pas d'hésitation. Il utilise ici un langage qui nous parle de détermination. Un sportif, s'il veut remporter la victoire, il doit être déterminé. Et son désir à l'apôtre Paul était de finir sa course. Son désir était, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien de vivre ce que Dieu voulait qu'il vive sur cette terre. Et la mission qui était la sienne était de prêcher l'évangile. Et dans Actes chapitre 20, verset 24, il va nous montrer à quel point cette mission était importante pour lui. Il va dire, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. » Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Waouh, quelle consécration, quelle détermination. Paul va dire, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. C'est-à-dire que plus important que sa vie, il considérait que la mission qui était la sienne était au-dessus de sa propre vie. Il avait la vision de la grande image. Et son but, il va dire, pourvu que j'accomplisse avec joie le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Et ça doit être aussi, ça doit faire partie aussi de notre mission. La raison pour laquelle nous sommes là, la raison pour laquelle Dieu nous garde ici sur cette terre, c'est pour que nous aussi nous puissions annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et Paul va dire qu'il ne courait pas comme quelqu'un qui ne savait pas où il allait. Il savait sans aucun doute la voie dans laquelle il devait marcher, le couloir dans lequel il devait courir. Le terme qu'il utilise ici fait allusion à la ligne d'arrivée que le sportif, que l'athlète, que le coureur, vers laquelle le coureur se dirige. Et Paul va dire qu'il garde les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. Il court, ça me rappelle en fait mon entraîneur. J'ai fait du sport pour la compétition dans le passé. Et ça me rappelle ce que mon entraîneur me disait à chaque fois au début. Parce que quand je courais, j'avais tendance à regarder mes pieds. Et il me dit, Charles, quand tu cours, regarde devant toi le plus loin possible. Regarde là où tu veux aller, regarde là où tu veux atteindre. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous ne devons pas courir en regardant nos pieds, mais nous devons courir en regardant l'objectif que nous devons atteindre. Nous devons courir en regardant vers la ligne d'arrivée. Et nous devons courir en accomplissant tout ce que Dieu veut que l'on accomplisse. Et ici donc, Paul dit qu'il ne courait pas avec incertitude. Il savait dans quelle direction il allait. Il savait ce qu'il faisait. Et de nos jours, il y a aussi, non seulement sur les pistes donc, d'athlétisme, il y a non seulement la ligne d'arrivée, mais il y a aussi des couloirs. Et un coureur ne court pas, alors ça dépend des courses, ce n'est pas pour toutes les courses, mais sur les petites distances, un 100 mètres ou un 400 mètres, il faut que chaque coureur court dans son couloir. Le coureur qui court dans le couloir de l'autre, il est disqualifié. Et Paul va parler de cela aussi. Il utilise beaucoup, en fait, l'apôtre Paul, l'image du sport lorsqu'il prêche. Et donc, il va dire plus tard à Timothée que si un athlète n'a pas couru selon les règles, il n'est pas couronné. Il est disqualifié. Paul disait cela à Timothée. Paul disait, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et cela peut illustrer le fait que nous devons aussi savoir quel est notre couloir, où est-ce que nous devons courir notre course. Et nous ne pouvons pas courir pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre ne peut pas courir pour nous. Il y a un couloir que Dieu a réservé pour toi. Il y a une course que Dieu a réservée pour toi. Et tu dois courir dans ce couloir, tu dois avancer dans cette course que Dieu a pour toi. L'apôtre Paul savait pourquoi il courait. Voyons dans 2 Timothée, le chapitre 4, les versets 7 et 8, Paul va dire, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Il y a une promesse pour nous ici. L'apôtre Paul nous dit que ceux qui
courent comme lui, eh bien, vont aussi obtenir la couronne de justice. Donc Paul va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. À la fin de sa vie, voici ce qu'il était capable de dire, j'ai achevé la course. Désormais, je peux m'attendre à recevoir la couronne de la justice. Et Paul nous dit, et c'est une promesse pour nous, Paul nous dit que cette couronne, elle est non seulement pour moi, mais elle est aussi pour tous ceux qui auront aimé son avènement. Elle est aussi pour chacun d'entre nous. À la fin de sa vie, Paul pouvait dire, j'ai achevé ma course. Non seulement il savait pourquoi il courait, il savait où il devait courir, mais il savait aussi pourquoi il courait. Il courait pour une couronne incorruptible. Il connaissait la nature de cette récompense qu'il attendait. Il n'était pas dans l'incertitude à propos de l'aboutissement de la course, de comment la course va se terminer, qu'est-ce qu'il va recevoir après avoir couru. Il savait que la couronne était en sécurité. Il savait à coup sûr que lorsqu'il aurait fini sa course, il pourrait jouir de la récompense. Il n'avait aucun doute au sujet de la direction qu'il devait prendre et il n'avait aucun doute au sujet de la récompense qu'il allait avoir. Et ensuite, donc il prend l'image de la course et ensuite il prend l'image de la boxe. Et là, il parle de combat. Il va dire, j'ai combattu le bon combat. Il va dire, je frappe, mais non pas comme frappant l'air. Il ne frappe pas dans le vide. Là encore, ça nous parle d'avoir une cible, de savoir où frapper. Ici, l'image qui est donnée, il fait allusion à l'attitude du boxeur qui, avec orgueil, venait se pavaner avant le match alors que le boxeur s'approchait du ring. Alors, je ne sais pas à l'époque si ça s'appelait le ring, mais le boxeur s'approchait et il donnait des coups de poing dans le vide pour impressionner son adversaire, pour lui montrer ce qui allait lui arriver, comme on dit en créole, le sac de coups qu'il allait avoir. Et Paul n'est pas ce genre de gars qui se pavane et qui a de l'orgueil en donnant des coups dans le vide. Ce n'est pas cette attitude orgueilleuse que Paul avait. Il ne frappait pas dans le vide, il savait frapper dans les cibles que Dieu voulait, dans lesquelles il frappe. Il frappait dans les cibles de ses adversaires, il frappait, sa cible c'était Satan, sa cible c'était le monde, la vie du monde, la convoitise du monde, et sa cible c'était aussi sa propre chair. Et il fait allusion à ces différentes cibles, et notamment dans le verset suivant, on a lu tout à l'heure, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 29, le 26. Et dans le verset 29, il va dire, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Il parle ici de ce combat contre sa propre chair. Non pas qu'on doit faire des efforts contre notre propre chair, mais il y a quand même une résistance que l'on doit opposer à nos désirs charnels. Bien sûr, la sanctification se fait par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit, qui nous aide à mener le combat. Mais il y a une discipline. Paul est en train de parler ici de la discipline qu'il s'impose en tant qu'enfant de Dieu pour ne pas être disqualifié pour la course. L'apôtre Paul prend donc l'image du sport pour illustrer l'objectif qu'il poursuit. Et le fait également qu'il doit y avoir une discipline dans la vie de celui qui fait du sport s'il veut obtenir la récompense. Et il y a aussi une leçon pour nous. Si nous voulons avancer dans la mission que Dieu a pour nous, nous ne pouvons pas le faire sans nous discipliner. Nous ne pouvons pas le faire sans amener notre chair à se taire pour laisser l'esprit gagner du terrain. La parole de Dieu nous dit que l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Et le vieil homme a toujours tendance à se réveiller, à se manifester, à faire valoir ses droits. Mais Paul va dire, je traite mon corps durement, je me discipline. Lorsqu'on prend du temps pour changer notre nourriture et ne pas manger, se priver de nourriture, c'est une discipline que l'on impose à notre corps.
À quoi est-ce que ça sert cette discipline? Ce n'est pas juste pour humilier notre âme devant Dieu, mais c'est pour imposer à notre chair de se taire, de taire ses besoins, pour laisser notre esprit prendre le dessus. La parole de Dieu nous parle de l'exercice de la piété. L'apôtre Paul, d'ailleurs, nous dit que l'exercice physique est utile à peu de choses, mais l'exercice de la piété est utile à tout. Et l'exercice de la piété nécessite de la discipline. Je ne peux pas travailler pour Dieu si je ne suis pas discipliné. Je ne peux pas avancer dans ma marche avec Dieu si je ne suis pas discipliné, si je ne suis pas déterminé à me lever le matin pour chercher le cœur de Dieu avant de commencer ma journée. Alors certes, notre relation avec Dieu ne doit pas être seulement basée sur une discipline. Ça doit être avant tout une relation d'amour. Le fait de passer du temps dans la présence de Dieu, le fait de chercher le cœur de Dieu, c'est l'amour, c'est notre amour pour Dieu qui doit nous amener à là. Mais parfois, eh bien, pour que notre amour pour Dieu se manifeste, il faut aussi apprendre à discipliner notre corps, qui n'a pas forcément envie de se réveiller le matin, qui n'a pas forcément envie de lire la Bible, qui n'a pas envie de faire un effort pour aujourd'hui faire quelque chose que le Saint-Esprit peut-être a mis à cœur de faire. Et on ne peut pas avancer dans notre vie spirituelle de manière efficace et atteindre le but que Dieu a pour nous s'il n'y a pas de discipline. Paul va dire que celui qui ne combat pas selon les règles est disqualifié. Et il n'y a pas de sportif qui n'exerce pas, qui ne pratique pas une certaine, qui ne s'impose pas une certaine discipline s'il veut réussir. Si un sportif veut réussir, il doit s'entraîner. Il n'y a aucun sportif qui arrive aux Jeux Olympiques en levant la médaille d'or sans qu'il y ait eu des entraînements. Ou bien peut-être avec le dopage. Mais pour ceux qui sont de vrais sportifs, ça ne peut pas se produire sans une discipline. Et nous ne pouvons pas juste nous fixer des objectifs, avoir seulement une direction vers laquelle avancer. Nous devons aussi amener notre vie à se discipliner. Nous devons vivre dans cette discipline pour atteindre les objectifs que Dieu veut que l'on atteigne. Le sportif doit se discipliner s'il veut remporter des victoires. Cela implique qu'il s'entraîne de manière constante. Cela implique qu'il développe les compétences qui doivent être développées dans sa discipline, dans le sport qu'il pratique. Si c'est un coureur à pied, eh bien, il a besoin d'endurance. Si c'est un boxeur, il a besoin d'agilité, il a besoin de dextérité. Si c'est un haltérophile, il a besoin de force, il a besoin de résistance. Et chaque sportif, en fonction de sa discipline, eh bien, doit travailler ses muscles et doit se discipliner, et discipliner aussi son corps et s'imposer aussi une alimentation, veiller à son alimentation. Si tu veux faire le grand raid et que tu manges carré de pâte cochon tous les jours, tu ne vas pas faire le grand raid. Et Paul fait allusion à cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25, donc dans le contexte du passage qu'on a lu, Paul va dire « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne incorruptible. Mais nous, nous le faisons pour une couronne... » Pardon, je reprends. « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, nous le faisons pour une couronne incorruptible. » Paul est en train de dire ici que le sportif qui veut réussir, lui, il s'impose des restrictions. Il s'interdit certaines choses. Il s'interdit certaines joies, certains plaisirs. C'est peut-être bon de manger un bon carré de cochon, pas de cochon, mais si c'est tous les jours, c'est pas bon. Et parce qu'il veut réussir, parce qu'il veut avancer, donc il se discipline pour ne pas manger n'importe quoi, pour avoir une alimentation équilibrée. Et Paul va dire, il y en a de ceux qui font cela parce qu'ils veulent obtenir une couronne corruptible.
La couronne corruptible, c'est quoi? C'est la médaille, c'est la coupe. Ça va périr. Et Paul nous dit que nous le faisons. Nous le faisons. Mais nous le faisons. Nous, ça implique toi et moi. Nous le faisons, c'est-à-dire que nous devons aussi nous imposer des choses. Nous devons aussi imposer à notre corps une discipline. Nous devons imposer à notre chair une discipline. Pour ne pas laisser les plaisirs de la chair, les désirs de la chair, les pensées charnelles prendre le dessus sur notre vie. Donc nous devons nous imposer des choses pour pouvoir obtenir la couronne incorruptible. Alors comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de parler des efforts que l'on fait pour notre salut. Il ne s'agit pas de faire des efforts pour notre salut. Notre salut a été acquis au travers du sacrifice de Jésus à la croix. Mais on parle ce matin de cette discipline que l'on doit avoir dans notre vie si on veut atteindre l'objectif, la cible que Dieu a pour nous. Le sportif qui veut réussir, il doit faire des choix. Ce qui fait la différence entre le sportif qui réussit et celui qui ne réussit pas, c'est que le sportif qui réussit commence par faire des bons choix en termes de constance, en termes d'entraînement, en termes de discipline, en termes de nourriture, en termes d'exercice. Et c'est aussi la même chose dans la vie spirituelle. Et je pense que c'est pour cela que l'apôtre Paul prenait souvent dans les Actes des Apôtres, dans les Épîtres, il va souvent parler du sport. C'est la même chose dans notre vie spirituelle. L'impact que l'on va avoir va dépendre des choix que l'on va faire. La discipline que nous maintenons dans notre vie va faire la différence entre le chrétien froid et le chrétien bouillant. La discipline que nous maintenons dans notre vie va faire la différence entre le chrétien qui sait garder son cœur et le chrétien qui ne le fait pas. La discipline que l'on maintient dans notre vie en refusant de trouver des excuses pour ne pas faire ce que nous devrions faire va faire la différence entre celui qui va grandir et celui qui ne grandira pas. La discipline que nous allons maintenir pour sélectionner dans notre vie les choses qui vont nous garder, nous faire avancer, nous faire progresser, les choses que nous devons abandonner pour être plus légers, pour pouvoir avancer, et les choses que nous devons garder pour faire la différence. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir une vie occupée. Parfois, nous croyons que le fait d'être occupé, eh bien, c'est ça, d'être discipliné. Ce n'est pas la discipline. Dieu ne nous demande pas d'avoir une vie occupée. Dieu veut que l'on progresse. Et être occupé, ça ne veut pas dire qu'on progresse. Donc parfois, on est occupé par toutes sortes de choses, mais on n'est pas occupé à faire les choses que Dieu attend de nous, à travailler les dons, les talents, le potentiel que Dieu a placé en nous, parce que c'est ça qu'il veut nous voir développer. C'est avec ses dons et ses talents qu'il veut nous voir avancer. Et donc, il y a parfois des gens qui sont très occupés, mais qui ne progressent jamais. Dieu veut nous voir progresser. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Pour que des progrès soient évidents, il faut qu'il y ait du travail, il faut que l'on mette de l'énergie, il faut que l'on se discipline pour que des progrès puissent se manifester. Et Paul était cet homme de cette carrure qui travaillait, qui était acharné dans le travail. Il ne travaillait pas pour son salut. Christ avait fait ce qu'il fallait pour son salut. Mais il travaillait pour le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. Et lorsque nous considérons la vie de l'apôtre Paul, on constate que Paul, il y avait quelque chose qui était évident en lui, c'est qu'il était non pas en train de porter un fardeau, de vivre sa vie comme étant sous le poids d'un fardeau, mais il était porté par un fardeau. Il était porté, littéralement porté, par le fardeau qu'il avait sur son cœur. On a cité déjà ce passage, cette phrase qu'il disait « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Il était porté par le fardeau, tellement porté par le fardeau que l'idée d'être prisonnier à cause de l'Évangile ou même de mourir à cause de l'Évangile ne lui faisait pas peur. Quand il était en Judée, il reçoit la visite, il était avec des chrétiens et il était en train de faire ses adieux parce qu'il devait partir à Jérusalem. Il y a un prophète qui débarque, Agabus, qui vient à sa rencontre. Et Agabus prend
la ceinture de l'apôtre Paul et il attache l'apôtre Paul les pieds et les mains, il le lie avec sa ceinture. Et regardez ce que Agabus va dire à Paul. Dans Actes 21, verset 11, il va dire « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui cette ceinture appartient sera ligoté de cette façon par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront aux étrangers. » Waouh, quelle prophétie! Qui c'est qui aimerait recevoir une prophétie comme ça ce matin? Prophétie dans laquelle le Saint-Esprit te dit « Tu seras ligoté, attaché par les Juifs à Jérusalem. » Et tu vas être livré aux étrangers. Et en vivant une prophétie comme ça, la semaine dernière, on parlait du fait d'entendre Dieu, de comprendre ce que Dieu veut faire. On pourrait se dire, ben, là, clairement, Paul, tu ne dois pas aller à Jérusalem. C'est une prophétie qui te montre que tu ne dois pas aller dans cette direction. Et tous les chrétiens qui étaient là et qui ont entendu cette prophétie, on dit à Paul, ils ont commencé à pleurer et disaient à Paul, tu ne dois pas aller à Jérusalem. Et regardons la réponse de l'apôtre Paul. Paul va répondre ceci. Pourquoi pleurez-vous et cherchez-vous à briser mon courage? Je suis prêt, moi, non seulement à être ligoté, mais encore à mourir à Jérusalem pour la cause du Seigneur Jésus. Waouh! Quel courage! Quelle détermination! Et quel aussi, alors même si on n'est pas dans la série chute, mais quel discernement aussi pour comprendre la volonté de Dieu dans une telle situation. Parce que moi, ma traduction, si j'étais à la place de l'apôtre Paul, ma traduction de cette prophétie-là d'Agabus qui m'attache les pieds et les mains, eh bien c'est une porte est en train de se fermer là, ne monte pas à Jérusalem. Non, c'était juste une prophétie qui montrait à Paul ce qu'il allait vivre, mais qui ne donnait pas une direction à l'apôtre Paul. La direction, il l'avait déjà reçue de la part du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'était pas en train de lui dire qu'il ne devait pas partir. Le Saint-Esprit était en train de lui dire ça ne va pas bien se passer. Mais le Saint-Esprit ne lui a pas dit de ne pas y aller. Et Paul va dire, mais qu'est-ce que vous avez à briser mon courage? Je suis prêt à monter à Jérusalem, je suis prêt à être ligoté, et même s'il faut mourir pour Jésus, je veux mourir pour lui. Comme on a lu tout à l'heure, je ne fais aucun cas de ma vie pourvu que j'accomplisse l'œuvre pour laquelle il m'a envoyé. Quel courage de l'apôtre Paul! Il ne portait pas un fardeau. Il était porté par le fardeau. Sa mission le portait littéralement. Et il est possible que certains d'entre nous n'avons pas un tel fardeau qui nous porte. En tout cas, on n'est peut-être pas porté à ce point. Et d'ailleurs, je suis honnête avec vous, je ne suis pas prêt, comme l'apôtre Paul, à dire « je suis prêt à mourir pour Jésus ». Je peux le dire, mais franchement, si je serais dans une situation où ma vie serait en danger, je ne sais pas comment je réagirais. J'espère que par la grâce de Dieu, je réagirai comme Dieu voudrait que je réagisse. Mais est-ce que je suis capable de dire avec tant de détermination que je suis prêt à mourir? C'est pas sûr. Paul était porté par ce fardeau. À ce niveau de courage, à ce niveau de détermination, il faut être porté pour pouvoir dire une telle chose. Mais peu importe la mesure du fardeau que nous avons, peu importe si le fardeau nous porte déjà comme ça, c'est tant mieux, gloire à Dieu. Si vous êtes capable, si on est capable de dire « Seigneur, je suis prêt à souffrir pour toi », c'est extraordinaire. Mais peu importe la mesure du fardeau que nous avons aujourd'hui, nous devons savoir que Dieu veut se servir de nous. Dieu veut nous utiliser les uns et les autres pour l'avancement de son royaume. Et il veut que l'on prenne part au fardeau qui doit être le nôtre. Et chacun d'entre nous, nous sommes utiles. Chacun d'entre nous, nous pouvons accomplir quelque chose pour lui, pour son royaume.
Et si vous ne savez pas en quoi vous pouvez être utile, commencez à aider, à porter le fardeau de quelqu'un. Si vous voyez quelqu'un qui a un fardeau, si vous voyez quelqu'un dans votre groupe de maison, votre leader a un fardeau pour prendre soin des personnes qui sont dans le groupe, aidez-le à porter le fardeau. Aidez-nous à porter le fardeau pour la mission, pour l'évangélisation, pour gagner des âmes, pour bâtir le royaume de Dieu. Si vous n'avez pas de fardeau, aidez quelqu'un qui a un fardeau à le porter. Et vous allez voir rapidement que vous êtes utile. Il faut soutenir la personne qui a un fardeau. La vision ne peut pas être accomplie par une personne qui ne la porte pas dans son cœur. Si nous voulons accomplir la vision, si nous voulons accomplir la mission que Dieu a pour nous, il faut que cette mission soit là dans notre cœur. Il faut que ça brûle en nous. Si notre cœur n'est pas impliqué dans ce que nous faisons, il faut arrêter de dépenser de l'énergie. Ou il faut se remettre en question. La deuxième solution est préférable. Remettons-nous en question. Regardons l'état de notre cœur, quel feu nous avons dans notre cœur, quelle passion nous avons dans notre cœur pour le royaume de Dieu. À quel point nous avons envie de faire des choses pour que le royaume de Dieu avance. Jésus va dire, mais là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Là où est ton cœur, là aussi sera ton énergie. Là où est ton cœur, là aussi sera tes finances. Là où est ton cœur, là aussi sera ton temps. Est-ce que nous dépensons du temps à faire des choses pour nous distraire? Ou est-ce que nous dépensons du temps pour faire des choses qui vont nous faire grandir dans notre vie spirituelle, pour nous rendre plus efficaces et plus utiles entre les mains de Dieu pour l'avancement de son royaume? Est-ce que nos dépenses sont en accord avec ce que nous croyons devoir faire pour Dieu? Quand je regarde à mes dépenses, quelles sont les dépenses qui montrent à Dieu que je suis porté par la vision et que je veux grandir, je veux développer, je veux progresser pour accomplir ce qu'il veut que j'accomplisse? Ou est-ce que mes dépenses se limitent uniquement à mes besoins? Est-ce que mon billet de 50 euros me paraît tellement gros quand il s'agit d'être généreux avec et tellement petit quand il faut aller faire les courses? C'est le même billet, mais parfois on le regarde de façon différente. Quand il s'agit de donner, il paraît plus gros. Là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Lorsque la vision est dans notre cœur, rien ne peut nous arrêter, rien ne peut nous décourager. Alors, parfois nous disons que nous portons un fardeau, mais en réalité, ce qui devrait être le cas, c'est que nous sommes portés par le fardeau. Quelque chose qui pèse sur notre cœur, qui va tellement peser sur notre vie, ça va nous mettre en mouvement. Et une fois qu'on est en mouvement, eh bien c'est là qu'on peut prendre de l'élan. Vous savez, l'élan ne vient pas tout seul. L'élan, le fait d'avoir un rythme où l'on avance, n'arrive pas par hasard. Ça n'arrive pas automatiquement. C'est parce qu'il y a un effort qui est produit pour se mettre en mouvement. Et il est plus facile de maintenir le mouvement plutôt que de se remettre en mouvement à chaque fois. Est-ce que vous avez remarqué que c'est dur de recommencer à faire du sport? Il y en a qui acquiescent ce matin. Quand on n'a pas fait du sport pendant longtemps, eh bien c'est dur de s'y remettre. Quand on s'arrête, ça prend du temps. C'est difficile de recommencer. Et le meilleur moyen de ne pas avoir de difficulté à reprendre, c'est de ne pas s'arrêter. De rester dans cet élan, de rester dans cette dynamique, de rester dans cette progression. Et Dieu veut qu'on puisse rester dans cette progression, dans cette dynamique. Alors parfois, certes, des circonstances viennent nous ralentir. Parfois, il y a un stop aussi qui vient nous ralentir. Vous savez, quand on est en vélo dans une côte, eh bien, il vaut mieux monter la côte sans s'arrêter. Si on s'arrête, difficile de repartir après. Et donc, il faut profiter de l'élan. Mais pour profiter de l'élan, il faut fournir l'effort nécessaire pour commencer, pour y aller.
Alors laissons le fardeau nous porter. Et le meilleur fardeau que l'on puisse porter, c'est celui que Jésus a pour nous. Jésus va dire, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Et si on porte le fardeau que Jésus a pour nous, si on porte le joug que lui a pour nous, eh bien on aura suffisamment de force pour le porter parce qu'il le porte avec nous. Jésus nous a fait une promesse, et j'aimerais terminer avec cette promesse de Jésus dans Matthieu chapitre 4, verset 19. Il est dit, Jésus va dire à ses disciples, « Venez avec moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » C'est une promesse qu'il y a ici, de la part de Jésus. Bien sûr, une promesse qu'il fait à ses disciples, mais est-ce qu'il n'a pas demandé à ses disciples de faire de toutes les nations des disciples ? Donc c'est une promesse qui nous concerne ici également. Nous avons cette promesse. D'ailleurs, ce n'est pas la seule promesse que nous avons. Il y a aussi dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus va dire, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et la promesse que nous avons ici dans Matthieu, qu'on a lu avant, la promesse de Jésus à ses disciples, c'est Jésus leur dit, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Il ne dit pas, je vous donne une liste de choses à faire, des choses pour lesquelles vous avez des compétences. Non, vous n'êtes pas compétent pour pêcher les hommes. D'ailleurs, les disciples peut-être ne comprenaient pas ce que Jésus voulait dire quand Jésus leur disait, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais c'est la promesse que Jésus fait à ses disciples. Et il dit, je fais de vous des pêcheurs d'hommes. Sa promesse est claire, si nous le suivons, suivez-moi, dit-il à ses disciples, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Si nous le suivons, il va nous façonner, il va nous équiper, il va nous former pour que nous soyons des pêcheurs d'hommes. Il s'agit là de l'évangélisation, il s'agit là de gagner les âmes, d'aller par toutes les nations, de faire de toutes les nations des disciples. C'est le commandement que nous avons reçu avec Jésus. N'oublions pas l'essentiel. C'est pour cela que nous sommes encore là aujourd'hui. Nous n'allons pas tous prêcher de la même façon. Nous n'avons pas tous le même appel. Certains vont pêcher, vont être des pêcheurs d'hommes en faisant la pêche à la ligne et vont gagner une âme à chaque fois. Et puis il y a ceux qui ont le ministère d'évangéliste comme Samuel qui a cette mission, qui a ce feu qui brûle dans son cœur et le cœur de Dieu, c'est que lui, Samuel, il jette les filets. Donc il y en a qui vont faire la pêche à la ligne, d'autres qui vont pêcher au filet. Mais tous, on est appelés à servir Dieu, à participer à l'avancement du royaume de Dieu en devenant des pêcheurs d'hommes. Mais c'est Jésus qui fait de nous des pêcheurs d'hommes. C'est Jésus qui travaille en nous pour que nous puissions être des instruments entre ses mains pour attirer à lui ceux qui doivent hériter du salut. Nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit pour être des témoins de qui il est. Ça n'a rien à voir avec notre âge, ça n'a rien à voir avec le fait que nous soyons trop vieux ou trop jeunes. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de don, ce n'est pas une question d'habileté. C'est une question de suivre Jésus et de laisser Jésus faire de nous des pêcheurs d'hommes. Laissez Jésus travailler en nous pour que le Saint-Esprit, au travers de nous, puisse gagner des âmes à Christ. Quand Dieu nous appelle, il connaît déjà nos forces, il connaît déjà nos faiblesses. Il ne nous appelle pas en fonction de nos capacités. Il nous appelle parce qu'il est capable de faire de nous des pêcheurs d'hommes. Et Dieu sait ce qu'il est capable de faire avec toi. Bien sûr, par tes propres forces, tu n'y arriveras pas. Accomplir le plan de Dieu par nos propres forces, faire la différence pour le royaume de Dieu par nos propres forces, nous n'allons pas y arriver. Mais Dieu sait ce qu'il a prévu de faire avec chacun d'entre nous. Et tu ne peux pas savoir ce que Dieu est capable de faire avec toi tant que tu n'as pas expérimenté ce que lui peut faire en toi et au travers de toi. Et Dieu fait le travail en nous, et il fait le travail non seulement en nous, mais il le fait au travers de nous. Il nous transforme pour faire de nous des disciples qui peuvent être utilisés pour la manifestation de sa gloire.
Alors même si tu ne te sens pas correctement qualifié, n'oublie pas que c'est Jésus qui fait de toi un pécheur d'homme. C'est lui qui dirige le processus de transformation. Et comme Paul, eh bien, nous ne courons pas à l'aventure. Nous ne boxons pas en donnant des coups de poing dans le vide. Il y a une direction. Dieu veut nous donner une direction que nous ne devons pas perdre de vue. Nous ne sommes pas là pour passer du bon temps. Nous sommes là pour une raison, une cause qui dépasse notre propre vie. La cause du royaume de Dieu. Soyons portés par cette cause. Ne perdons jamais de vue que nous sommes sur cette terre pour un but. Nous avons une course à courir. Il nous faut de la discipline pour aller jusqu'au bout de cette course. Et vous savez, celui qui est vainqueur dans cette course, en fait, ce qui est bon dans cette course, c'est qu'il y a plusieurs vainqueurs. Mais le vainqueur à la course n'est pas celui qui est le plus rapide. Le vainqueur à la course, celui qui gagne la course, c'est celui qui continue à courir jusqu'au bout. Et c'est le cœur de Dieu pour nous ce matin, que nous puissions courir jusqu'au bout la course qu'il a réservée pour nous. Que nous puissions aller jusqu'au bout de tout ce que Dieu a souhaité faire et accomplir au travers de chacune de nos vies. Alors j'aimerais qu'on puisse prier un moment ensemble. J'ai demandé au groupe de louanges de se rapprocher et qu'on puisse prier ensemble et remettre nos vies entre les mains de Dieu ce matin, remettre nos cœurs entre les mains de Dieu. Et peut-être même demander à Dieu de nous aider parce que nous avons manqué de discipline peut-être dans notre vie. Nous avons peut-être laissé nos soucis du quotidien prendre le dessus sur peut-être un fardeau que Dieu a mis sur notre cœur. Venons ce matin au trône de la grâce. N'oublions pas que nous avons quelque chose à accomplir pour le royaume de Dieu. Je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin et nous te remercions pour ta présence. Jésus, viens raviver en nous la flamme. Viens nous aider, Seigneur, à garder nos yeux fixés sur le but que tu as pour nous, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à te servir avec passion, avec zèle, avec détermination, comme l'apôtre Paul, qui avait une telle détermination qu'il était prêt à souffrir, qu'il était prêt même à mourir pour toi. Seigneur, nous ne savons pas si nous sommes prêts à un tel sacrifice. Mais nous voulons, Seigneur, non pas ployer sous le poids d'un fardeau, mais nous voulons être portés par un fardeau, être propulsés par un fardeau, être dans ce mouvement et dans cette dynamique, dans cet élan, Seigneur, que nous donne, Seigneur, le zèle de l'évangile de paix. Ce matin, Seigneur, nous prions et je prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, pour ton peuple qui est là. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à réaliser, Seigneur, que nous sommes là pour une raison précise, que tu nous as choisis, que tu nous as établis, que tu nous appelles à être tes témoins, que tu nous appelles à être des pécheurs d'hommes, que tu nous revêts de ton onction, que tu nous revêts de ton esprit, Seigneur, pour être ces instruments entre tes mains, pour porter la parole de vie. Alors donne-nous, Seigneur, de le faire, Seigneur, au travers de tout ce que nous faisons, au travers de tout ce que nous accomplissons, que nous puissions voir, Seigneur, et discerner, Seigneur, les personnes que tu veux toucher, les cœurs que tu veux changer, transformer au travers de nos vies, Seigneur. Ce matin, nous déposons une fois de plus nos vies et nos cœurs sur l'autel. Et nous te disons, viens embraser nos vies, Seigneur. Viens embraser nos cœurs d'un feu nouveau, Seigneur. Nous ne voulons pas perdre de vue ce pourquoi nous sommes là, ce pourquoi tu nous as appelés. Viens, Jésus. C'est toi qui...
Seigneur, et ce chant, Seigneur, est une prière qui s'élève vers toi ce matin. Et c'est le désir de notre cœur, Seigneur. Viens faire ta volonté. Viens, Seigneur, nous transformer, Seigneur. Viens embraser nos vies. Viens embraser nos cœurs, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour que notre cœur brûle pour toi, brûle de passion. Oh Jésus, Jésus, viens, Seigneur. Viens embraser nos vies. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Touche-nous ce matin. Touche-nous ce matin. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Merci à tous. On termine ici ce moment. Merci à ceux qui nous ont suivis par le live. On vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous garde. On vous donne rendez-vous samedi prochain à 16h, donc la célébration. Et on vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.